Coucou les filles et les garçons, bien sûr. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Il va y avoir un petit peu de tout. En fait, je vous explique. J'ai mes affaires que je reçois pour moi. Et ayant Facebook et étant fan de Scrap depuis maintenant presque un an, il me semble, y a des filles qui n'ont pas la chance d'avoir d'action chez eux. J'ai décidé de prendre beaucoup de choses comme les blocs, les dice, tout ça, et de faire des envois. Tant que je peux et tant que je rentre dans mon argent, moi je perds rien, mais je gagne rien non plus. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris pour moi. Donc c'est exactement ce que j'ai pris pour les filles en fait. Et aussi il y aura quelques bricoles de chez Amazon. Mais je suis un peu paumée, je vous avouerai que là j'ai pas tourné de vidéo parce que j'ai pas eu le temps. J'ai encore pas mal de vidéos à faire, donc j'ai vraiment vraiment pas eu le temps. Donc je vais commencer par ce qui est colo, et puis après je vais faire ce qui est scrap. Voilà, je vais commencer par les stickers. J'espère que vous voyez bien parce que la luminosité elle n'est pas terrible. Par contre, ce que je peux faire, je peux peut-être mettre une petite lumière. Donc voilà, j'espère que vous voyez un tout petit peu mieux. J'ai mis une petite lumière, mais bon, c'est pas ça qui est ça. Donc, je vais commencer par les stickers. Je ne les ai pas encore tous reçus, mais je dis, tant pis, je vais vous les montrer quand même. Alors, c'est très long à recevoir. Ils viennent des États-Unis. C'est pas donné. Ça vaut 5 euros et quelques. Enfin, ça dépend lesquels. Voilà, j'adore. C'est de la colle à paillettes. Je dois en recevoir encore 6. Donc, je vous referai un petit haul. De toute façon, je n'ai pas encore fini de recevoir tout. Du coup, j'ai fait le petit nuancier, comme ça vous allez pouvoir les voir, elles sont superbes. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Je vous rapproche. Voilà. Alors, je les ai trouvés sur Amazon, mais comme je vous dis, c'est entre 30 et 60 jours en ce moment à cause du Covid. Mais bon, c'est tout. On fait avec, on n'est pas pressé, et puis voilà. Ensuite, je les ai eu chez Noz. Bon, ils sont déjà déballés du coup parce que j'ai pas eu trop le temps d'en faire de vidéo, comme je vous ai dit. J'ai pris les Stabilos. Alors ceux-là, ce sont les grosses mines. Alors, comme ceci. Je les ai pris pour mes colomystères. Donc voilà, j'en ai jamais assez des feutres, j'adore ça. Puis moi et mes filles, j'utilise beaucoup. Donc ils sont à 14 euros et quelques chez Stockomanie. Voilà. Ah, et en même temps, j'ai oublié une petite colle. Voilà. Ensuite, j'ai déjà acheté les Etron. Mais pareil, c'est des feutres, hein, je précise. Et en fait, les Etron, ils traversent les mystères. Donc, du coup, moi, je les ai gardés, mais je m'en sers très peu. Ou alors, ils sont aquarellables, on peut les aquareller. Donc, du coup, je les utilise comme ça, mais il m'en fallait quand même d'autres pour mes mystères. Et bon, effectivement, ils sont exactement comme les Etron. Ce sont les OUU. Donc, ils sont à base d'eau, non toxiques et aquarellables. Et bien, ceux-là, ils sont comme ça pour faire les mystères. Il y en a 100 et j'ai payé ça 27 euros et quelques. Donc voilà, c'est présenté comme ça. Ça me fait penser à la boîte des pits, Faber-Castell pits en fait, un peu. Donc voilà. Bon, moi je les ai numérotés parce que j'aime bien, parce que je fais toujours le nuancier. Je vais vous montrer vite fait le nuancier. Hop. J'ai un beau son là, mon Dieu. Alors, le nuancier, je l'ai mis. Oui, parce que j'avais plus de feuilles, j'avais pas envie de réimprimer. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le rapprocher. Les couleurs, elles sont super jolies. Donc voilà. Pour les OU. Et alors, je sais plus. Je crois pas que je vous l'ai mis dans l'autre vidéo. J'ai trouvé tous les. J'ai pas fait le swatch par contre. Si vous voulez que je le fasse, je vais le faire vite fait si j'ai le temps. Les feutres. Vendu par 3 de chez Action à paillettes. Ça me fait penser un peu au Sparkle. Mais bon, les Sparkle, c'est pas le même prix. Mais franchement,
j'en suis pas forcément très très fan. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dedans. Je crois que c'est le débit. Par contre, les filles, ceux qui en achètent, faites attention. Quand vous allez ouvrir, ne secouez pas le feutre parce qu'il y en a qui ont giclé partout. Je vous en montre quelques-uns. Je vais pas faire le swatch de tout. Attends, je remets juste un peu, c'est pour les paillettes. Je vous en montre quelques-uns. Mais je dis pas que je suis déçue, je vais m'en servir, hein, quoi qu'il en soit. Mais voilà. Rien que là, le débit de celui-ci, il est un petit peu mortel, perso. Alors, je fais déjà ça et après je vous montre de plus près. Ils sont jolis, hein? Mais je pense que déjà, ils imbibent énormément le papier et je pense que ça risque de traverser beaucoup de colos. Tout dépend le papier utilisé, quoi. Et par contre, aquarellé, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est possible non plus. Hop. Ouais, c'est celui-là vite. Ah ouais, celui-là. C'est pas un gris, il est chelou, en fait. Bon, pas grave. Quelle couleur j'ai pas faite? On va faire celle-ci vite fait. Ah, ils se vendent par 3 et en fait, il y a 6 packs. Que vous le sachiez. Ça donne ça. J'espère que vous allez voir. Vous voyez, même à la caméra, on voit pas les paillettes. Normalement, c'est plein de paillettes. Ouais, perso, la prochaine vidéo, j'essaierai d'être en journée parce que là, il fait pas trop, pas encore nuit, mais bon, c'est pas top, quoi. Hein. Donc voilà. Ceux-là, c'est, je les recommanderais pas personnellement. Pourtant, j'achète beaucoup de choses chez Action. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Mais feutre, bah, je préfère économiser et acheter moins et acheter de bonne qualité comme les pots de Sparkle ou les Sparkle. Ou par exemple, bah, ça n'a rien à voir parce que ça donne quand même un volume au colo ou à la réalisation que vous allez faire. Mais voilà. Avec ça, il n'y a pas de souci. Donc, il me semble que pour ce qui est colo, c'est terminé. Ensuite, bah, ça va être beaucoup du scrap. Alors ceux qui n'aiment pas le scrap, bah, si vous voulez passer, vous pouvez. Mais je voulais vous dire quelque chose à la fin de la vidéo. C'est vous qui voyez. Donc je vais commencer par les dies. Donc là j'en ai que 6, mais au final j'ai les 6. Sauf que là j'en ai que 5 parce que j'ai déjà ouvert mes paquets. Et bah, comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup acheté pour les filles. J'ai réussi à leur trouver pour quasi toute la collection. Voilà. Donc cela. Par contre, juste peut-être là, aujourd'hui ou demain, vous aurez la vidéo. Il y a une petite dame parce que j'ai mes abonnés sur YouTube et j'ai aussi des amis sur Facebook. Et elle m'a demandé d'utiliser la Big Shot avec les grands dies. Donc c'est ce que je vais faire sur la prochaine vidéo. Alors cela, c'était les gros. Ensuite. Voilà, il y a les petits, donc ils sont à 0,99 centimes. Alors, il n'y a pas tout, parce que là, en fait, j'en ai beaucoup, parce que j'en ai pris en double, parce qu'il y en a pour les filles. Et au final, s'il y a des choses que je n'arrive pas à vendre, eh ben, je ferai un petit concours et je ferai des lots pour mes abonnés. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, parce que d'ici peu, je vais faire un petit concours. Sympathique, hein. Rien de très chiant, mais bon. Voilà, ensuite, j'en ai déjà, c'est de la dentelle en plastique, excusez-moi pour le bruit, et ben c'est des nouveaux motifs, et je m'en sers beaucoup pour mes albums, je ne peux pas les sortir, hein. Vous voyez, ce motif-là, celui-là, je crois que je l'ai, mais en autre couleur, et celui-là, pareil, je l'ai en blanc, en gris, il me semble, voilà, le prix, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout pour ça. Ensuite, il va y avoir. Alors, les bullet journal. Donc, celui-là, c'est le mien. Je n'ai pas forcément. J'en ai jamais fait, bullet journal. J'ai regardé un petit peu les vidéos. J'ai farfouillé. Mais bon, je le ferai à ma manière, en fait. Donc, voilà. Il est à. Si je ne me trompe pas, il est à 2,79 €. Mais, j'ai un doute. Je ne sais plus trop. Donc, voilà pour ça. Et pour aller avec, alors je ne savais pas du tout ce que c'était. Les filles sur Facebook m'ont demandé ces blocs-là. On peut dire des blocs, hein, c'est une collection paper. Alors là-dedans, suivant les blocs, ils sont magnifiques. Ils sont à 1,99 € et vous avez de tout dedans. Alors, vous avez des papiers.
de déco, même du marbre, je vous montre vite fait. Hein. Voilà. Vous avez des feuilles, pareil, hein, de déco. Vous avez des cartes. Alors, je sais pas s'il y a des vidéos de genre. Hein. Ça, c'est des ATC, il me semble. N'ayant jamais fait. Regardez, ceux-là, elles sont sublimes, je trouve. Hop. Il y a des die-cuts, il y a des cartes, il y a des stickers. Regardez ceux-là, comme elles sont jolies. Donc, du coup, petite anecdote, j'en ai pris pour les filles, pour leur envoyer. Et au final, je ne savais pas ce que c'était. Je ne les ai pas ouvert. Comme ils ont une petite rondelle d'autocollant, je ne me suis pas amusée à regarder dedans, hein, puisque ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai dit, oh, bon, je vais en prendre quelques-uns pour moi. Ben, je ne regrette pas, franchement. Pour 1,99€, regardez, rien que là, vous avez les signes astrologiques. Et vous avez un petit peu de foil, mais très peu. Bon, je ne suis pas forcément fan du foil, mais de temps en temps, c'est super joli. Vous voyez, là, encore des feuilles. Et là, les stickers. Il n'y a pas que ceux-là. Hein. Faut, voilà. Franchement, achetez-les. Ils sont super, ceux-là. Moi, les filles, ça fait... Alors, j'en ai acheté au moins une quinzaine pour envoyer. Ensuite, après, je ne vous ai pas montré parce que celui-là, il n'était pas dedans. Vous avez un petit ruban en satin, je ne sais pas trop. Et une petite pochette pour faire... un cadeau, je vais vous montrer, je dois l'avoir dans celui-là. Vous voyez, ça fait comme ça. Avec stickers, vous avez la petite pochette pour les cadeaux et le petit flot. Donc là, c'est encore un autre. Alors, comme on ne peut pas les regarder, je vous montre vite fait ce qu'il y a. Alors, celui-là, c'est sur le thème floral, je pense, plus. Et ma fille, elle en a un sur... Il y a des petites filles dessus et... voilà. Je vous montre vite fait. Donc voilà, les stickers, ils sont là. Donc ça, je pense que c'est sympa pour le bullet journal, parce que le bullet journal, vous pouvez... Bullet, je ne sais pas trop comment on dit. Ben je crois que c'est celui-là, je l'avais écrit en double, en fait. Vous pouvez dessiner, vous pouvez décorer. Moi, j'adore le dessin, mais dessiner sur un bullet journal comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais plus m'en servir pour mes projets, pour tout ce qui est... avec les filles, je pense. Donc, voilà. Pour celui-ci. Ensuite, hein, le truc habituel, j'ai acheté des cols. Du double face chez Action. Et j'ai trouvé, grâce à une vidéo, je ne sais plus de qui, c'est du double face, c'est pareil. Donc, d'une autre dimension, c'est chez Nose. 2,75€, je les ai payés les trois. Attendez, je reviens, j'ai fait tomber ma trousse, je voulais vous la montrer. Voilà. Et alors, j'ai repris chez Amazon cette trousse-là parce que j'ai commandé sur Wish 160 crayons. Alors, c'est des Butner ou Burtner, un truc comme ça. Mais ça fait 2 mois et demi que je les attends. Donc j'avais racheté une trousse pour les mettre dedans. J'ai la copine, hein, coucou Sylvia, qu'ils ont acheté, qui les trouve super. Donc du coup, j'ai hâte de les avoir. Donc j'ai racheté une trousse pour ça. Et pour terminer, ouais, je peux quand même peut-être vous montrer. J'ai racheté des enveloppes pour les envois des copines sur Facebook. Alors pareil. Je fais au mieux. Si vous voulez me contacter, donc vous passez par Nounès Création sur Facebook. Et si vous voulez que je vous commande quelque chose, n'hésitez pas. Mais attention, je fais vraiment en fonction de mes possibilités. Là, j'ai mis un petit message comme quoi j'attendais que l'argent rentre avant de pouvoir refaire plaisir aux filles, hein, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Nounès Création sur Facebook, c'est moi aussi. Et voilà, les derniers blocs. Hop. J'espère que mon téléphone y va tenir parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors il y a le vintage, mais je pense que je vous montre vite fait, mais je pense que vous les avez déjà vus. Hein, je fais fissard parce qu'on n'a pas trop le temps. Hop, celui-là, c'est mon préféré. Et en fait, je vous rappelais, j'ai fait une vidéo où je fais la présentation de mon album. Et d'ailleurs, je dois faire aussi le tuto là-dessus. Ensuite, il y a le grunge. Celui-là, il est sympa aussi. Voilà. On se dépêche un petit peu.
Il est super joli aussi celui-ci. Voilà. Il y a le marble. Je ne les ai pas tous pris. Je les ai pris pour les filles. Il y en a 6, il me semble. Alors celui-là, j'aime bien avec les petites filles comme ça. Voilà. Hop. Et le Sweet Dreams. Alors celui-là, il est très coloré et il est joli comme tout. Pareil, je vais refaire des albums là-dessus. C'est pareil, n'hésitez pas à demander. Si vous voulez des albums, vous me demandez en commentaire. Ou alors, vous venez sur mon Facebook, Nounès Création. En fait, j'ai mon Facebook privé, mais je passe par Nounès Création pour avoir les messages Messenger. Parce que je ne veux pas forcément que tout le monde ait mon Facebook personnel. Voilà, il me semble que j'ai fait tout, enfin le tour, non, ça se trouve j'ai oublié des choses. Donc je fais un coucou à tous mes abonnés, à toutes les filles pour qui je travaille cette semaine en fait. Par rapport aux envois, c'est un gros bordel, mais ça va, je m'en sors quand même. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. Like a Hellcat.